Et rebonjour, salut tout le monde. On est de retour dans Okami HD, comme vous le voyez. On est dans le temple Eriko. Vache. Temple Iriwaku. Et là, on va approcher certainement une salle du boss. C'est, on l'avait dit la dernière fois. Et tout ce qu'on a, c'est des horloges qui ne marchent absolument pas à l'entrée. Voilà qui est mieux. Allez hop. Sur ce, on ne traîne pas. On a arrêté leur gelée intense qu'ils ont provoqué à cause d'une énorme machine. Enfin, j'espère. Et là, on se retrouve sur un boss. Deux démons, mais à mon avis, on va en avoir un deuxième. Bon, au moins, avec la source de chaleur qu'on a sur le dos, on va pas mourir de froid. Hé, regarde qui est là. Il perd pas de temps. J'aime son style. Ça doit être Nishiku, le démon d'argent. On dirait une machine. C'est un des démons jumeaux qui veulent transformer Kamui en glace. C'est un coup de chance de le trouver sans son frère. Désolé mon grand. Je sais que tu viens juste de te réveiller. Réveillé d'un long sommeil. Mais il va falloir que tu redeviennes un bibelot. Hey, où est-ce qu'il va, ce crâne de piaf? Hein? Regarde là-bas? Pourquoi là-bas? C'est quoi? Non. C'est une blague? Shiranui? C'est pas toi? Toi, il y a 100 ans, Ama? Je comprends plus, moi non plus. Je comprends plus rien, là. Ce qu'on ancien taux peut bien faire ici, dans le futur. Ouh, ça doit faire incroyable. Allez, on va être à deux contre un hibou. Si on peut être aussi avec le deuxième, ça va être parfait. Excusez-moi, je dis. Ah. Ah ben j'arrive pas à voir. Oula. Qu'est-ce que... Ah, le truc de bouvin, c'est pas moi, c'est... Shiran. Attends. Oula. Mais ces armes, elles sont... ces attaques, elles sont meilleures que moi. Non mais je fais quasiment ça, je fais tout. Oh bah... Boum. Alors là... La vache, j'ai un stylé à mort. Waouh. Vous lui mettez la pâtée du siècle à cette chouette de pourrie. Vite à main, avant que ton ancien toi ne tire toute la couverture à lui. Donne le coup de finale. Ah, il manquait plus que ça. Qu'est-ce que... Attends, c'est... C'est Reshiku, le démon d'or. J'ai pas pu que je fais une bronzée. Ah, mais c'est... C'est pas Okikurumi. Oh
Non, on est 3 contre 2, dont un qui est à moitié mort. Enfin. Enfin, je t'ai rattrapé. Cette fois, je vais t'achever. Écoute tous nos chériques. Écoute tous les chérikia qui abrira d'argent une fois encore. Ouais, je crois qu'on va peut-être avoir des problèmes. Ces démons ont encore de l'énergie à revendre. Ah bah, fais attention, hein, recule. Non, Kokiromi, Kokiromi, arrête. C'est ce qui fait la différence entre un héros et un lâche. Soyez tous témoins de ce moment divin. Moment divin, moment suicidaire, oui. Utone Shirika, l'épée du grand Kokiromi va se réveiller. Ça m'étonnerait. Espèce d'idiot. J'aime pas trop ça. Qu'est-ce que... Je peux plus bouger. Alors, hein. Là, on est mal. Je ne peux plus respirer. Kokiromi, dégarpille d'ici. Maudit démon. Oh non. Oh non. Ils ont pas fait ça, non, c'est pas vrai. Ouais, on va bien dire de justesse, mais dans tous les cas. Voilà ma chance, je peux les achever. Eh, dis donc, je crois pas qu'on a d'autres problèmes. Ah non, il manquait plus que ça. Allez, à ma tire. Merci de m'aider, je... Encore un petit peu. Qui courbille à l'aide. Merci. Kokiromi, ton épée. Ça y est, elle brille d'argent. Kutone Neshirika. Elle brille par les esprits du vent, de la terre et des mers. Comme j'étais aveugle, j'aurais dû savoir. Enfin, je comprends. Utone Shirika, l'épée sacrée protectrice de Kamui, ne pouvait briller si celui qui la manie est obsédé par un désir égoïste. Voilà pourquoi je n'ai pas pu défendre Kamui. Il aime protéger ce qui m'était cher. Si, c'est pas fini le bureau des pleurs. Pleure, Kikurumi. Reste concentré, concentré. Extermine les démons et tu ramèneras la paix dans le village. Au esprit du vent, de la terre et des mers. Au Kutone Shirika, épée sacrée, donnez-moi la force de sauver Kamui. Ça, c'est parlé, on y va. Attendez, Shiramu, on en fait quoi? Oui, bon, là, forcément, j'ai pas eu à faire grand-chose, hein. Les démons sont enfuis de l'autre côté du sanctuaire. Mais comment faire pour y aller? Cet endroit est un vrai labyrinthe. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous guider.
Attends, souvenez-vous lorsque Lou a frappé l'un des démons. Vous remarquez l'étrange objet brillant qui s'en est détaché. Vampire et ses démons doivent être liés à une force étrange. Si seulement quelque chose pouvait nous indiquer la bonne direction. Jérémy, as-tu voyagé 100 ans dans le temps juste pour nous aider? On peut dire que vous faites la paix, hein, bout de poil. Chère Anoui, et seulement à moche, dépêchons-nous à mort. J'imagine que là, on n'a plus trop le temps. Cette fin ne bougera pas un pouce. On est de retourner. Non. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais c'est sûrement utile. Amaterasu, il ne va pas tenir longtemps. J'ai une dette de vie envers lui. Je peux pas le laisser mourir. T'inquiète pas, je sais que son compagnon n'est pas loin. Tu le reconnaîtras tout de suite, c'est un Kuropokuru comme moi. Ce loup est aussi accompagné d'un Kuropokuru. Il ressemble trait pour trait à Amaterasu. Dans la même odeur. Qui sont-ils tous les deux? C'est une longue histoire, crois-moi. Nous n'aurons pas le temps à perdre. De poursuivre ces deux volailles. Tu as raison. Devant les achever au plus vite. Voici, faisons-le ensemble. Hein? Il y a l'horloge qui est en train de baisser là, vous avez vu, hein? Putain, c'est un ascenseur! Écoutez, vous deux, je vais rester ici avec le loup, vous continuez sans moi. Quoi? Je ne peux pas le laisser tout seul. Ce qui est arrivé à Sue est entièrement de ma faute, pas faux. Kurumi, ne vous en faites pas. Je n'ai pas l'intention de vous laisser combattre ces démons seuls. Je vous rejoindrai dès que j'en aurai fini avec les monstres qui restent et que cet endroit soit sûr. Continuez sans moi en attendant. Arrête un peu, Kurumi. T'as un cœur d'artichaut, ma parole. Un jour pareil, on va finir par se faire du souci pour toi. Mais si tu insistes, on va te laisser ici. Nous irons de notre côté pour suivre les deux, mon démon. Prends soin de ce loup, d'accord? Je m'en charge. T'arrêtes de la mer, accordez leur pouvoir divin. J'ai toujours un truc. Et voilà! La fameuse roue qui nous permet d'entrer ici. C'est parfait. Classique. Qu'est-ce que... Ah, d'accord. Faut qu'on les détruise, c'est ça. Ça va être très très long. Ça me rappelle comme dans la cave de la lune. Bon, attends, il y a déjà un canon qui bouge pas. On va le faire lui. Et d'un. Ok, on n'a vraiment pas fini ce donjon. Je sens qu'il va m'énerver encore plus. Et enfin.
J'imagine que pour le jaune, on n'a pas le choix. Quoi? Mais j'ai pas glissé pourtant. Allez, voilà. Ah bah ça y est. Je me demande si les rouges on pouvait pas les casser comme ça. Non, ils en auraient été trop nombreux. À un moment on se serait fait avoir. Allez, par ici, et sous les points de bonheur. Quoi encore? Alors là, je vais me permettre de prendre les épées. C'est pas vrai, La mort, est-ce que pas là? Problème. Ah, c'est pas possible. Tengu m'agace. Putain, j'arriverai jamais à faire un parfait avec lui. Qu'est-ce que c'est que ça? On a encore une boule, évidemment. Avance. Qu'est-ce que c'est que cette salle? Ah non, d'accord, j'ai compris. Et zut. Ah, je vais mourir avant même d'atteindre les boss si ça continue. Une blague. Oh.
Ouais, c'est une blague. Il y a des roues en feu qu'il faut qu'on gèle. Tout ça dans le but d'atteindre aussi un coffre déjà. Bon, pour le edge, un succès bling bling. Symbolise la pureté, le savoir. Comment est-ce que c'est bling? Oh! Ah non, je veux pas ça, moi! Ah, je pensais qu'il y avait la clé, mais non, il y a juste une bombe. Je retire ce que j'ai dit. C'est parfait. Non ! Non, 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 non. Heureusement que qu'on peut remettre de la glace de ceux qu'on a déjà comme. Mais c'est pas vrai, mais je suis en train de mourir pour rien là. Et en plus je perds mon. Putain, la vidéo va être trop longue, on n'aura même pas le temps d'aller faire les. Donc c'est comme prévu. Voilà. Parfait. Ah, deux coffres, génial. Et heureusement, j'ai une source de chaleur sur moi. Divine. Parfait. Tu vas là, comment tu fais pour venir jusqu'ici? Oui, un peu. C'est le cas, tu vas avoir affaire à moi. Meilleure façon. Ah, et le combat des affaires. Pas quelque chose de nouveau ici? Non. Et voilà, qui fait. Bon. Tiens, changement de musique. Et vu quand t'es là, toi ? Kurumi ? Comment es-tu arrivé ici ? Si aussi vite ? En fait, je dois Slowly à son petit ami. Un coup, Kurumi est apparu après ton départ, il m'a aidé. Il m'a aidé à Materatsu. Ainsi, c'était le compagnon du loup dont tu parlais, pas vrai ? Tiens, a retrouvé ses forces quand ce Kurumi était revenu. On aurait dit que le loup avait récupéré comme par magie. Qu'il y avait un lien, j'en ai compris qu'il serait sauf. Je les ai donc laissés, je me suis précipité ici. Mais assez parlé à présent. Je suppose que vous êtes venu ici, ces démons doivent être en quelque sorte. Alors, Amaterasu, vas-tu te battre à mes côtés? La vidéo risque d'être très longue, mais on y va! La terre de la mer et des terres, accordez-nous au pouvoir divin. Allez hop! On est dans la deuxième partie, ça va chauffer. Ok, cette fois on doit faire affaire aux deux hiboux en même temps, je crois. Nishiku et Reshiku, si je ne me trompe pas.
Ah oui, c'était enfui ces deux crânes de Biaf. Ils voulaient se cacher pour récupérer leur force. Nous ne pouvons pas laisser s'enfuir ces machines infernales. Encore une fois. Et nous sommes trop fatigués pour les poursuivre. Laisser s'enfuir. Mais personne n'a jamais échappé à notre commun roux plus qu'une fois. Pareil pour Kutuno Shirika. Allez, c'est parti. Une question par contre, que j'aurais peut-être dû vérifier avant. On fait comment pour les âges? Bien retenu ce que l'autre faisait. C'est bon, il a fait sortir un mec. Par contre, excusez-moi, il a fallu que je tombe allergique maintenant. Oula. Oh, ah non. Merci pour la résurrection. Ouh, t'as vu l'épée? Maintenant, utilise-moi comme une flèche et lance-moi vers ces démons. Je les mettrai à terre. Attire-moi toutes tes forces pour les atteindre. Tire de toutes tes forces. Ah, c'est pas vrai, faut que je maintienne. Ah, ça va pas être facile. Allez, elle descend à terre. Par contre, je vais faire un truc tout de suite. Parce que là, déjà pas un point de vue, je peux dire radio parfait. Oui, mais enfin, tu pourrais quand même t'orienter un peu mieux, là. Allez, on ralentit le temps, histoire de prendre un peu. Yes, on l'a eu. C'est l'avoir encore, mais non, ça va être un peu plus long que prévu. En tout cas, ton frangin, on l'a eu. Oh zut! Heureusement que j'avais une protection. Par contre, là, juste. Là. Et voilà le travail. Heureusement que t'as un arc sur toi là.
On les a eus. Je pensais pas que ce soit si rapide. Eh ben voilà le travail. Deux démons en moins. Le bizarre va s'apaiser. Les démons jumeaux qui étaient sortis de leur sombre de leur sommeil en haut du mont Ezofuji, qui pour dévaster les terres de Kami, étaient vaincus. Ils disparurent dans une explosion de pétales grâce à Materatsu et Okikurumi. Cependant, le nuage noir sombre comme la nuit se manifesta et Kibyo, Kyubi, puis Reshiku et Neshiku. L'âme de tous les démons se mêla au nuage qui se dirigea rapidement vers l'arche de Yamato au fond du lac Laoshi. L'arche de Yamato rassemble toutes les ténèbres de ce monde. Les paroles de Tsukuru résonnèrent dans le cœur d'Amaterasu. Tsukuru, c'est qui déjà? Oh, Shirami, tous ces sacrifices, toutes ces vies perdues. Tout cela en vain, Shiranui, l'incarnation d'Amaterasu, il y a 100 ans, était épuisé par ce terrible combat. Et à la vue de la lumière émise par Kutonoshirika, un léger sourire se dessina sur le visage éreinté du loup. Soulagé par ce mince rayon d'espoir, Shiranui se releva courageusement. Puis de ses dernières forces, le loup blanc passa à travers le portail érigé par Ishaku pour rejoindre son monde. C'est pour ça qu'il était mourant à la fin de la légende. Amaterasu Uzume regardèrent s'éloigner Shiranui, sachant que de nouveau le loup devait faire face au danger, affronter Orochi. Après avoir sauvé Izanagi d'une mort certaine et aidé les deux compagnons dans leur quête, Shiranui disparaîtrait en héros, marquant d'une pierre blanche le début de la légende d'Orochi. Alors que le jeune Ishaku partait à son tour, son regard trahissait une inquiétude qui présageait un événement des plus mauvais. Ah non, ça c'est pas une arme divine, c'est un fragment solaire. Vous obtenez un fragment solaire. C'est pour avoir plus de points de vie. Et voilà, c'est réglé. En plus, j'aurais fait un... Si j'avais pas fait toucher, j'aurais eu un score parfait. Pas grave. Et j'ai eu un succès, cervelle de moineau. Vous avez bien trouvé. Allez hop. Et maintenant... Ah, ça va un petit moment. Amaterasu est retourné au pied du mont Ezofuji. Pirika priait fervement tandis que la tempête se calmait. Comme pour célébrer cette victoire et chèrement acquise, les volcans jumeaux d'Ezofuji ont craché de grandes gerbes de feu. La chaleur libérée réchauffa le cœur de tous les villageois. Mais Okikurumi regardait à peine la scène, silencieux. Bien que les démons du mal aient été repoussés, la pensée d'avoir pris le sabre et causé tant de peine pesait lourd sur son cœur. Sameikuru était le seul qui pouvait soulager le poids de ses malheurs. Le chef qui avait sauvé Kemushiri du temple fit un pas en avant. Il approcha lentement de Kurumi lui offrant sa main tendue. Son regard trahissait la complexité des émotions qui le submergeaient. Okikurumi, réalisant la gravité de la scène, tendit la sienne à son tour. Au moment où il se serre la main, Uepeki réunissait en un village bien trop robuste pour redevenir la victime du mal. Quant à Kutonishirika, le sabre qui a vaincu les démons jumeaux, il fut ramené à son piédestal par Okikurumi lui-même.
et tant qu'il brillera, aucun démon n'osera s'approcher. Tony Shirika, cache un pouvoir trop grand pour succomber au mal. Mais à ce moment-là, un vif éclair de lumière émana de Tony Shirika et frappa directement la surface glacée du lac Laoshi. Bien que le lac n'ait jamais montré aucun signe de dégel, des fissures se mirent à courir tout au long de la surface. La légende de Yamato, l'arche d'acier tombée du ciel dans le lac sacré Laoshi, s'est révélée être plus qu'une simple histoire pour tous ceux présents ce jour-là. Alors ça y est, t'as mis l'épée dans le piédestal. Comme l'avait dit la prophétie, la voie vers les cieux est ouverte. L'arche de Yamato est libérée. Et en plus, elle est ouverte. Copier ça aux Scandinaves, hein, de l'arc-en-ciel. Et ben voilà. L'arche de Yamato, elle flotte dans le ciel. Comment un machin aussi grand peut-il flotter dans le ciel? La légende qui est donc vraie? La légende de cette arche coulée au fond du lac Laoshi et qui est tombée dans les plaines célestes de notre monde. Les CS sont venus dans notre monde et avec elles. Mais elles ont été dévorées par d'innombrables monstres vicieux. Un vrai cheval de sport. Armée de l'armée du Seigneur des Ténèbres, Tokoyami no Sumiragi Yami. Attends, Tokoyami no Sumiragi Yami. L'arche de Yamato est donc bien liée aux forces des ténèbres. Ah, ça, c'est pas de peau. Ouh, j'ai peur. Excusez-moi, elle leur dit la même chose. Incroyable, on a réussi à la libérer. On dit qu'elle est tombée des cieux, elle est immense. Le mur de glace se brisera, elle ouvrira la voie vers les cieux. En chaque cas, le sac de l'ombrira d'argent. Le mur de glace de la prophétie n'était pas le bizarre des démons. Notre lac perpétuellement gelé. Si cette arche est la voie vers les cieux, alors tu dois monter à bord. Si on ne se connaît pas depuis pas beaucoup, je sais quel genre d'être tu es. C'est en devant toi, un voyage que le reste d'entre nous ne peut faire. Tu le savais, n'est-ce pas, Materasu? Ah oui, et quelque chose dit que c'est une voie sans retour. Donc, on va pas y aller. Parce qu'il y a plein de choses secondaires à faire, messieurs dames. Ouais, j'avais découvert ça accidentellement, on peut les transformer en animal, une mâle en faisant la floraison. Ah mais ça marche pas avec eux. Du coup, on va se quitter sur ces petites transformations amusantes et sur l'apparition de cette, libération plutôt inquiétante de l'arche Yamato. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé ce combat rapide, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi rapide que ça. Que ça des démons jumeaux et Shiranui le Deo Ex Machina de la mort. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour pas rater la suite. Laissez les commentaires sur les réseaux sociaux. Sur ce, au revoir et à la prochaine. Et la prochaine fois, je vous dis tout de suite, on fera tout ce qui est secondaire, d'accord? Juste au passage, avant qu'on oublie, il faudrait peut-être prévenir tout le monde qu'on a retrouvé la petite Pirika. C'est pas ici. Allez, pas être bloqué, à main. Je crois qu'on est prévenir le pépé, hein. Pas être surpris quand on lui dira tout. Bonjour Lou, tu es venu rendre encore visite à Ishiaku? Ah bah oui, pourquoi je crois que je suis là? J'imagine que ça veut dire oui. Il est plein d'énergie depuis ta dernière visite. Il a même retrouvé la vue. Oh, merci. Ah, ça valait le coup de venir, hein. Le village est béni par la lumière des mousses lumineuses. C'est pourquoi personne d'autre n'a remarqué, mais je le sens. La grande éclipse d'hiver s'approche.
Ouais, au fait, on a retrouvé Pierrika, c'est bon. Et on t'a rencontré en plus jeune. Ne me regarde pas ainsi, Emma. Oui, tu as raison. J'ai bien un petit-fils. Ouais. C'est isolé. Même tout petit, il avait le pouvoir de me surpasser. J'attendais beaucoup de lui, alors je l'ai éduqué très durement. Mais cela a échoué et a fini par me détester la peinture. Je doute qu'il prenne ne serait-ce qu'un pinceau actuellement. Si jamais tu le croises durant tes voyages, dis-lui que je prie pour son bonheur, s'il te plaît. Et donne-lui ceci. Une perle errante. Oh merci. Tout ce que je peux faire pour lui maintenant. Mais j'aime mon petit-fils plus que nul ne l'imagine. T'inquiète, on lui dira.